Immobilisé depuis le 4 juillet à Gibraltar, ce pétrolier iranien, le Grace One, a été relâché. D'après les autorités iraniennes, le navire va partir en Méditerranée sous pavillon iranien et non plus panaméen. Il a été renommé Adrian Darya. Les États-Unis ont émis vendredi un mandat pour saisir le pétrolier, mais la Cour suprême de Gibraltar a affirmé ne pas avoir reçu cette demande par écrit. L'Iran a apporté la garantie que les barils de pétrole transportés par le navire n'étaient pas destinés à être envoyés en Syrie, pays touché par un embargo européen. Le départ effectif du navire n'est pas encore programmé. Il ne devrait pas intervenir avant dimanche et l'arrivée d'un nouvel équipage, selon des sources proches du dossier.